Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 284 millions de berries. Aujourd'hui, 4ème épisode de la saison 3 de One Piece Story. On va s'intéresser à un personnage très mystérieux depuis sa première apparition car il s'agit de Avalo Pizarro. Sans plus attendre, on peut commencer. Avalo Pizarro est un criminel condamné à être emprisonné à vie au niveau 6 d'Impel Down. Il est surnommé le roi dépravé. Ses crimes ont été si atroces qu'il a été effacé de l'histoire. Avalo Pizarro est le commandant de la 4ème flotte de Barbe Noire. Comme Shiliyu, il n'a pas de tenue de prisonnier lors de l'évasion d'Impel Down. Il ressemble un peu à un félin. On y retrouve des yeux bridés, une longue moustache, des cheveux semblables à une crinière. Il faut savoir que ses bras ont toujours été un peu cachés, la seule fois qu'on les voit, il porte des longs gants en métal. Avalo Pizarro était le roi d'un royaume à North Blue. Il a abusé de son pouvoir pour atteindre des objectifs. Il a finalement été renversé par son peuple. C'est de cette manière qu'il est devenu un criminel redouté partout dans le monde. Il a quand même été arrêté par le gouvernement mondial. On en sait très peu sur ses capacités, mais à partir du moment où il était prisonnier au niveau 6 d'Impel Down, c'est qu'il était quelqu'un de très puissant. Il était d'ailleurs un des plus puissants de ce niveau car il est l'un des seuls survivants des combats avec les autres prisonniers. Lorsqu'il attaque Barbe Blanche, nous le voyons sourire comme s'il avait toujours confiance en lui. Il est sûrement très résistant car l'attaque de Sengoku ne l'a pas impacté. Comme je l'ai dit précédemment, il est le commandant de la 4ème flotte de Barbe Noire. Il n'a sans doute pas été placé commandant de la 4ème flotte par hasard. Par exemple, on a Burgess qui est commandant de la première flotte, mais il est présent depuis les débuts de Teach. Le seul personnage qui a été recruté en même temps que lui et qui a un plus haut rang est Chiglio. Avalo Pizarro semble être inspiré de Francisco Pizarro. Francisco Pizarro était un conquistador espagnol à l'origine d'importantes conquêtes comme l'Empire Inca par exemple. Lorsque Ivankov cite les noms de tous les prisonniers du niveau 6 d'Impel Down, le seul qui n'est pas mentionné est Avalo Pizarro. Comme quoi, depuis qu'il est en prison, il a été totalement effacé du monde extérieur. Il se pourrait que son nom soit un mot espagnol, d'où la prononciation hispanique. En effet, Avaro veut dire avare ou radin. Il était au niveau 6 d'Impel Down, et dans ce niveau il y a soit des personnes dont la prime s'est levée à plus de 100 millions de berries, soit des prisonniers à vie ou condamnés à mort. Sachant qu'il est un évadé d'Impel Down et qu'il fait partie de l'équipage d'un empereur, je verrai bien une prime proche des 1 milliard. Peut-être pas pour le moment, mais lorsqu'elle sera révélée, c'est une somme qui me paraît cohérente. Surtout qu'il a fait partie des criminels les plus redoutés dans le monde. Donnez-moi votre avis, mais pour ma part, je dirais 800 millions de berries environ. Comme je l'ai dit précédemment, Avalo Pizarro serait inspiré de Francisco Pizarro qui a conquis l'Empire Inca. Il se pourrait qu'Avalo Pizarro ait également une relation avec un empire qui ressemble aux Incas. Avalo Pizarro porte un manteau de fourrure et des cornes attachées à sa tête. Il est semblable à un chasseur qui tuerait des animaux pour leur prendre leur fourrure, leurs cornes, etc. Quel peuple ressemble un peu aux Incas? On peut penser à Zou en effet. Il est possible qu'auparavant, il s'attaquait aux Minx soit pour les vendre en tant qu'esclaves, soit pour se procurer leur fourrure et pourquoi pas s'approprier les aptitudes des Minx qui est de produire de l'électricité. Mais comment pouvait-il faire cela sans se faire capturer directement? Avalo aurait été en quelque sorte un Shichibukai. Il aurait eu un contrat avec le gouvernement mondial, c'est ce qui lui aurait permis, comme Crocodile ou Doflamingo, d'agir sans que le gouvernement mondial ne vienne lui poser de problème. Bien évidemment, pour qu'il soit capturé, il faut que ça impacte négativement le gouvernement mondial. Il se serait fait arrêter par une organisation comme les Révolutionnaires, et ils auraient dévoilé les actions d'Avalo Pizarro au monde entier. Le gouvernement mondial se verra donc obligé de le capturer, sinon ça créera une énorme révolution dans le monde entier. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de l'effacer de l'histoire. Mais pourquoi n'ont-ils tout simplement pas annulé le contrat avec Avalo Pizarro? Car ses agissements auraient aidé le gouvernement mondial. L'électricité qu'ils trouvaient dans les fourrures des Minx pourrait permettre d'alimenter des robots comme les Pacifistas par exemple. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas arrêté Avalo Pizarro. Lorsqu'ils ont été obligés de l'arrêter car ça aurait créé une discorde à échelle mondiale, il n'a pas eu de tenue de prisonnier, comme s'il avait toujours un contrat indirect avec le gouvernement mondial. Tout ça peut peut-être paraître tiré par les cheveux, mais c'est très compliqué d'imaginer le passé d'un personnage que l'on connaît à peine. C'est pourquoi je vous laisse faire vos suppositions dans les commentaires, je les lis tous et on peut trouver des éléments très intéressants. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!